Je vous parlerai de mon passif avec ce jeu après. Alors normalement j'ai tout bien réglé, normalement. Bonjour Edge Club. Oui, pourquoi le jeu crash quand t'arrives? Ouais, je sais pas. Mais ouais, j'ai fait 2h30 et j'étais pas bon ce matin. Bon, il y a eu des scènes sympas. Mais bon, sans plus, c'était léger. Ça va, Pepper, merci Edge, j'espère que toi aussi. Écoutez-moi, être de lumière, et entendez mon message. Voici Arx, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Poxélis était bon et juste, et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rares. Bien des années après la mort de Poxélis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner, et un hiver éternel s'installa sur notre monde. Sa Majesté Lonshire, digne fils de Poxélis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre, dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura 5 années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Agba, le dieu de la destruction, est sur le point de... Oh! Hey, vous, là-bas! Par ici, dépêchez-vous! Ne le laissez pas s'échapper! Tu es fait comme un rat! C'est bon, ici, il est... Allez! Défoncez-moi ces portes! Voilà, on a vu le dieu de la destruction prenant la forme d'une espèce d'homme rat qui s'est barré. Alors, vous voyez déjà le beau mouvement de curseur de souris. Et en fait, c'est ce qui fait tout le charme du jeu, vous allez voir, au niveau de la gestion de la souris. Ah, nouvelle quête. Alors moi j'avais fait les réglages, vous savez, de touche, de résolution, etc. Là normalement vous devez bien voir le... mon interface. Ma classe d'armure, oui, je sais pas. Résistance à la magie, le poison, point de vie, point de mana, dégâts que j'inflige. Alors, force, intelligence, enfin mental, dextérité et constitution. Oulala. Ah, je peux m'en rajouter, d'accord, en bonus. Ok. Bah, je vais me remonter un peu. Hein. Attends, bonus dégâts, combat, habilité aux armes lourdes. Non, ça joue pas sur l'inventaire et le fait de pouvoir embarquer des trucs. Apporter des armures lourdes. Constitution, une influence sur la défense. Ah, ça m'intéresse. Je vais me mettre en char d'assaut. Et là, il y a des points très spéciaux, c'est ça? Ah, c'est encore autre chose, ça, d'accord. Ça, c'est les attributs principaux, on va dire. Mental détermine le niveau de mana. Tac, 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 tac. Ok, ben, je vais mettre le reste dans la mana.
Alors, les petits. Voilà, les petits attributs. Furtivité, lien psychique, corps à corps, à distance, compétences manuelles, mécanique, intuition, magie ou encore défense. Bah, magie, oui, serait pas mal. Il y a 10 niveaux de magie. Oula. Ouais, je vais me mettre à 24 dès le début. Intuition, une sorte de sixième sens qui vous aide à détecter les objets cachés comme les passages secrets ou encore les pièges. Intuition augmente aussi votre capacité à marchander. Ah! Je vais mettre plus 8 à marchandage. Mécanique, compétence permet de crocheter les serrures verrouillées et désactiver les pièges. Je suis fou, allez, je mets tout là-dedans. L'apparence, non, je peux pas la changer ici. Ah, c'est au pifomètre. Oh la vache. Ah non, il y en a 4 préenregistrés. Bon, on va faire lui, va. Allez hop. Adjugé, vendu. Chargement. Il est en PLS, le héros. Alors, message du didacticiel, vous pouvez consulter dans la section quête du livre du quête, la touche F4. Cliquez sur le bouton droit une fois que vous avez vu souris. Oh, j'ai le bras tendu. Aïe. En mode exploration. Ah, c'est pas mal. Il y a des airs de donjons et dragons, là, à Donf. Je trouve l'interface plutôt minimaliste entre la mana et la vie d'un côté là, c'est. On voit que des demi-sphères. Ouais, amen, ouais, c'est ça. Et en fait, le gros point fort du jeu, c'est ça. Enfin, faudra-t-il encore que j'arrive à vous le montrer. Ah, c'est ça, voyez. En fait, les sorts, il faut les faire à la souris. Vous voyez, des claques, il faut faire des symboles de ce genre-là. Un peu comme les gestes, vous savez, de déverrouillage sur les téléphones portables. Et il y a des combinaisons, ça déclenche des sorts. Et c'est ce qui a fait le charme du jeu, principalement hein, au niveau du gameplay, de la manière de jouer. Un barreau, bouton gauche, ah, les objets les déplacer. D'accord, je peux défaire les barreaux à la base. C'est ma mémoire est comme bloquée. Je n'ai aucun souvenir. Même pas mon nom. Que fais-je ici? Les Gobs t'ont probablement assommé par derrière. Maudit Gobs. Allez, regarde dans ta cellule. Tu trouveras peut-être un moyen de fuir de ton côté. Je ne peux rien faire du mien. Mmh. Ah là, c'est un ennemi. D'accord. Les champignons... Ah si, je peux les ramasser. Attendez, faut que j'apprenne à interagir. Ah, comme ça. D'accord. Et encore là, visiblement, j'ai carrément mangé les champignons sans les mettre dans ma besace. Bah, comment je fais? Oula. Pas sûr de bien avoir programmé les touches. Pas certain non plus. Attends, je peux me baisser.
Comment j'ai fait mon affaire, moi? Et à un moment, il me parlait de... De F4. Touche de shift. Mince, retour au jeu. Bah oui, mais shift me fera rien faire de plus. Il est drôle, lui. Message de FunFan992. Je suis tellement populaire sur Twitch qu'on m'offre même un abonnement sur une chaîne que j'avais jamais vue. C'est pas un troll. Il m'est arrivé la même chose il y a 48 heures, FunFan. Un gars que je connais pas m'a offert un abonnement sur une chaîne que je ne connais pas. Mais ça, c'est le fait à l'époque où je m'endormais. Sur, j'ai essayé de tourner la nuit Twitch, ce qui n'est pas forcément bon. Parce que... Oui, j'ai entendu, oui. Attendez, j'ai du mal avec l'interface du jeu. En fait, tu finis par laisser tes traces sur différentes chaînes. Tu sais, des grands événements où il y a des généreux qui a 10, 20, 50, voire 100 abonnements. Bah, tu connais le système de Twitch qui pioche dans la liste de ceux qui sont connectés, ne serait-ce qu'une fois sur la chaîne. Ça tombe au pif, au hasard. Donc ça a été probablement ton cas. Attends, j'avais un truc en lumière, j'ai pas compris. Ah bah dis donc, si tout le jeu est comme ça, ça va pas être triste. Attends, mais qu'est-ce que ce bordel? J'arrive même plus à rétablir ma vue, mais voilà. Comment j'ai fait mon affaire, là? Excusez-moi, je suis en train de me battre avec l'interface du jeu, je comprends plus. Je suis perdu, je suis fauté. Bah oui, il faudrait que je retire les barreaux. Bizarre. Vu que c'est une chaîne qui fabrique des guitares, ça m'intéresse pas. Juste remercier la personne qui m'a offert l'abonnement, mais je reviendrai pas. Ouais, bah ouais. Voilà, génial. Je teste les touches. Ça c'est quoi? Comment j'ai fait mon affaire? Ah, là je peux centrer la vue. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, un moment les barreaux s'étaient présentés en bleu à moi. Il est bizarre le jeu. Tiens, le crâne, je peux le prendre. Comment ça, flèche? Ah, lancer, d'accord. Ok, et après? Ce sera un mode différent. Bizarre dans l'interface.
Là, je comprends plus. J'ai merdé quelque chose. Ah, j'aurais peut-être dû faire un début de partie, vous voyez. Parce que je pensais qu'en configurant tout, je serais à mon aise, mais c'est pas le cas. R, c'est d'accord. Est-ce que je peux discuter avec le gars? Moi, pas parler avec humain. Moi, pas parler avec humain, ok. Oui, d'accord. Non, il dit plus rien, le gars. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, mes blocs de pierre, je vais rien en faire, si. Non, on va pas. Non, c'est. Mon action est débile. Bon. J'ai connu mieux en suspense, hein. Voilà, c'était Fatalis. Quoi? J'aurais préféré chez une fan de petite vertu sur ce site. N'importe quoi. Pourquoi j'arrive pas à interagir? Attendez, je vais regarder. J'ai bien programmé mes touches pourtant. Ouais, j'avais pris le temps de tout programmer. Bonjour Pump and Ripop. J'espère que tu vas bien parce que là je suis moi en galère dans Arc Fatalis. Je comprends pas l'interface du jeu. J'y avais joué par le passé, hein. Et pourquoi il me parle d'une roue dentée en haut, momentanément. C'est trop étrange. J'y avais joué par le passé, puis j'étais bloqué à deux tiers de l'histoire. Il y avait des femmes serpents avec une énigme que j'ai jamais résolue. Pardon. J'avais le bordel en bleu et ça me le fait plus comme j'avais fait. Bah oui, un barreau, mais j'aimerais manipuler le machin. Attendez, dans les sauvegardes il m'a fait quoi? Ah bah j'ai rien. Je recommence parce que c'est trop bizarre. Je sais plus comment j'avais distribué les points ici. Là j'en mets deux, là j'en mets deux, là j'en mets deux. Je voulais privilégier la magie et l'observation, là je sais plus. Intuition, allez hop, j'en mets 24, 27, non peut-être un peu beaucoup. Voilà, magie, allez hop. Lien psychique met en garde quand les réponses gracieuses utiles vous donnent une indication de l'étape du modèle par combat, ouais. Allez, on va mettre ça et on y va, c'est bizarre. Bon, on recommence parce que j'ai pas compris le truc. Pop and Repop, tu dis je vais bien, pas fan de genre de jeu avec un point and click compliqué à comprendre. Bah, de ma mémoire, c'était plus instinctif.
cliquer et maintenir le bouton gauche sur les objets pour les déplacer dans le jeu ou les prendre dans votre inventaire. Il suffit aussi de cliquer sur un objet, mode discrétion, touche shift, pour le placer directement dans votre inventaire. C'est trop bizarre. Je comprends pas pourquoi ça a pas marché. Attends, dès qu'il me redonne la main, voilà, là je sauvegarde. Sauvegarde parce que je comprends pas. Oui, bah, je sais pas, début. Début. Retour au jeu. F4 pour le didacticiel. Cliquez le bouton droit pour. Voilà. Étranger, il faut qu'on file d'ici. Ma mémoire est comme bloquée. Je n'ai aucun souvenir. Même pas mon nom. Que fais-je ici? Les gobs t'ont probablement assommé par derrière. Maudit gobs. Allez, regarde dans ta cellule. Tu trouveras peut-être un moyen de fuir de ton côté. Je ne peux rien faire du mien. Cliquer. D'accord, on avance. Bonjour Christella. Tab. Ah, je passe en mode combat. Une contradiction et un truc qui va pas. Ah, la carte. D'accord. J'ai un truc que j'ai mal configuré. Parce qu'il me dit en mode combat, le bouton gauche de la souris permet d'armer son attaque. Mais moi, ça me met mon interface. Donc j'ai un truc qui est mal programmé. C'est comme ça. Oh vache. Oh merde. Humain maudit. Moi, ronger tes os. Moi, manger ton cœur. Eh ben, moi, te briser les dents. Bah alors. J'ai une patate ou pas? Moi, manger ton cœur! Oui, bah j'arrive pas à fouiller le loustique. Vous pouvez cliquer sur le bouton gauche, objet, inventaire, ok, entrée, machin. Il y avait une note, il y avait une carotte, le gars.
Alors, je vais alterner deux contrôles. Je vais alterner deux contrôles parce que j'ai le bouton de la souris du milieu et le clic qui est pas bon. Oh, merdoum, excusez-moi. Voilà. Et là, pour moi, c'est déjà beaucoup mieux. Pardon, je vais vous lire dans le chat parce que là, j'étais mieux. Je sais pas comment nommer mes sauvegardes. Oui, je suis tombé sur un os. Bien dit, Pop and Ripop. Bien dit. Alors, je sais pas si vous y voyez grand chose parce que j'ai l'impression que le jeu est très sombre. C'était quoi la note? Comment je fais pour la lire? Je dois bien pouvoir la lire, non? Bizarre. Le mec peut peut-être m'aider. Non, il s'est... Une fiole de vin. Hop, je la prends. Miche de pain. Oh là 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 là. Bah, je suis pas en droit de la revendiquer. Oh, l'autre, il va me dire que je suis pas à côté du truc, j'ai pas le droit de ramasser. Ah non, il veut pas. Ou alors... Ah bah là je l'ai mangé. Ouh, ça va être fastidieux, hein, je vous le dis. Quoi? Ah, dommage. Oui, mais une fois que j'ai ça... Bizarre. Bon. Ouais, bon. Après nous, c'est de la bouffe, mais je peux pas interagir avec. Ça c'était ma cellule et ça c'est la sienne. Ça n'a pas l'air de s'ouvrir comme ça. Vache. Alors je vois pas le signal vidéo que je vous renvoie, mais ça, je pense que ça doit être vachement sombre. Chagar, si tu ne te souviens pas de ton nom, garde celui-ci. Cela signifie celui qui n'a pas de nom dans un dialecte étranger. Je m'appelle Kultar et je faisais partie de la guilde des voyageurs avant d'échouer ici. Amshagar. Bien, je garderai ce nom en attendant. Quelle est cette guilde des voyageurs? Visiblement,
Tu ne te souviens vraiment de rien. Notre monde n'a plus de soleil pour le réchauffer, et l'extérieur n'est qu'une immense étendue de glace. Seules quelques personnes, équipées pour affronter des conditions de survie extrêmes, sont autorisées à sortir afin de relier les différentes forteresses retranchées dans les montagnes de notre monde. Ils constituent la guilde des voyageurs. Bon, nous en discuterons plus tard. Filons d'ici. Je suis blessé. Je ne pourrai pas passer par ce trou. Je vais rester ici et attendre que tu puisses m'ouvrir. Ne t'inquiète pas pour moi. Et il y avait quoi dans sa cellule? Vraiment rien? Ah, je peux briser la trappe de bois d'après lui? Non, sérieux? Merde, j'avais un os tout à l'heure. Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, mais je suis en mode baston, non? Il veut pas que je la ramasse, visiblement. Merde. Oh mais... C'est... Tout sauf intuitif. C'est bizarre parce que mon expérience de l'époque du jeu, le jeu était génial. Et là je sais pas pourquoi. Est-ce parce que j'ai du matos, j'ai la chance d'avoir du matos de joueur. Laura aussi je l'embarque. C'est devenu fastidieux dans l'interface, c'est trop bizarre. Oula! Alors attends, des jambières de cuir, ah je sais pas ce que c'est, ah c'est Yok, c'est des runes de magie, on se croirait dans Tezo, tiens. Ah c'est pour apprendre à faire de la magie. Alors vous venez juste de trouver les premières runes, appuyez sur entrée F dans le curseur, se trouve dessus pour les placer dans votre livre. Maintenant vous possédez vos premières runes pour ouvrir votre bouquin et apprendre votre premier sort. Ah oh là 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 là, je viens d'ouvrir la note. Qu'est-ce qui que quoi? Oui, des chipoldates avec plein de mecs torse nu, oui, tu m'étonnes. Pardon, vous... Moi, venir, remplacer le toit. Après moi, manger. Toi, garder humain. Attention au nouveau, semble dangereux. Signé Anatola. Oui, bah c'est trop tard.
Je me suis barré. Alors attends, j'ai pas fini de fouiller le cadavre, moi. Bah merde, j'y ai plus accès. Comment je fais? Ah. Voilà. Alors, mon premier sort. Très prudemment, on va sauvegarder. Et je vais essayer de maîtriser mon premier sort. Icône sort, ok. Donc le dernier sort consulté va rester par défaut comme présélectionné à l'écran d'action. Donc j'ai appris. J'ai merdé. Mémoriser un sort, le lancer plus tard, relâcher magie. Je peux mémoriser jusqu'à 3 sorts, ok. Mais le problème c'est que je sais pas ce que j'ai lancé comme sort, c'est un peu con. Ah, étincelle. D'accord. D'accord. Donc, je peux déjà allumer des trucs et faire mon pyromane. Alors, je voulais pas dans la panique pour faire les sorts convenablement. C'est assez sport. Tiens, c'en est pas une là-bas? Merde, c'en est pas une. T'es sûr? On aurait dû cramer. Oh, j'ai pas de bol. Oula, il y a un gros rat là. Je veux mettre le feu au rat. Ça marche pas, dommage. J'aurais adoré. C'est un vilain ça. Non? Ou il est gentil? S'il est gentil, j'irai gentil. Me méfie du rat. Bizarre l'endroit. Ah, éclairé de passage, oui, je veux bien. Ah, je peux le faire avec la lame à la main. C'est quoi ça? Drôle de truc. Hey, lui, il est agressif, par contre. Vilain, va mourir. Oh, l'agonie du rat. C'est cru. Bah oui, c'est cru. Je vais pas manger du rat cru. T'es dégueu, toi. Mais je vais faire comme dans des Demolition Man. Je vais me faire un petit rat burger. Quand j'en aurai l'occasion. Mais... C'est cru.
Je peux pas cumuler les deux. Oh là là, oh là là. Fastidieux. Ah bon? Il n'y en a pas d'autres? Oula! Ah! La grosse araignée de la morte! La muerte! Alors attends. Non mais je vais la flamber, hein, puis on n'est pas plus. Merde, j'ai merdé. Mais... Oh, il a bu... Tiens, du coup, j'ai... Paisiblement. Ah non. Ah, j'ai vu quelque chose. Et là, je l'allume. Quoi? D'accord, il faut que je trouve une corde. Une pierre très lourde. Ouais, je peux pas manipuler ça. En quête d'une corde. Ou vache. Ah oui, c'est pour aller à l'étage. Faut que je puisse aller à l'étage. Oui, il se passera rien. Le mécanisme est cassé. Je l'ai dans le baba. Et B. Eh ben, y a plus de toile d'araignée avec moi. Oula, c'est la guerre en surface. Il y a un truc qui a explosé. Oh le bordel. Coucou. Bonjour Tunsen. Le crapoto il est reparti dans sa mare. Je vais pouvoir faire mes hamburgers. Quoi? Attends, il y a une tasse. Une shop. Bah alors. Ah non, j'ai pas le droit de la mettre dans mon inventaire. Il veut pas. Le jeu ne veut pas. Bon bah. Bon bah j'ai allumé le barbecue. La jarre, on ne va pas me servir la jarre, d'accord.
Mais non, mais ça sert à rien la jarre, je peux la mettre au feu. Hein. Mais ça, c'est pas une corde. Oh merde. Et ça, c'est un gros souci, ça. Alors, ami arachnophobe, hein. Désolé. Votre pire cauchemar est à l'écran. Ah, ils l'ont bien fait. Ah, oh, c'est chiant de m'empoisonner. Quick. Elle m'a empoisonné alors que je me vantais d'avoir trouvé une corde. Et encore, va la détacher, toi. Minab. Minab, minab. Oh, mais il y en a tout plein. Ah, il y en a de toutes les tailles. Eh ben. C'est bon, je les ai eus ou... Attends, il y a un super tonneau, là. Oui, ça a changé, hein, Arc. Alors, est-ce que je peux pas allumer un truc là-dedans, moi? Ah non, y a rien d'inflammable. Le squelette, lui, il compte pour rien. Vraiment? Je peux rien faire avec? Oh... Comment ça? Oui, un tonneau, d'accord, mais... J'en fais quoi? Je l'allume. Le mec, il est fou. C'est bizarre. Ah, ça y est. J'ai accès à ce tonneau-là, mais qui donne rien. Et l'autre. Ah. Ben alors. Ah, c'est la fameuse corde. Bonjour le baron. Ah, voilà. Miche de pain. Mmh. D'accord, ça c'est des boutons d'interface. Donc je vais mettre la corde dans le circuit. Quoi? Ah, un mur instable. Mais instable comment? Ça ne cassera pas comme ça. Ça cassera pas comme ça. Bon. Au moins c'est bien. Le mec te le dit, quoi. Le gars que t'incarne. Il te donne en direct son ressenti. Ah, j'avais dit que je me faisais des rat burgers. Je dois louper des trucs dans le décor et je m'en rends pas compte, c'est sûr. Comment je fais mon rat burger?
comme ça. Pas convaincu non plus. Et si je la laisse trop longtemps, ça devient de la truc cramée ou... Ah, j'ai mangé les trucs... Bon, je sais pas. Je suis pas doué. Hein. Où était le truc avec le mécanisme? C'était là-bas, je crois. Non, attends. Oh là 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 là. Alors c'est bien, ça mélange un peu énigme en même temps. Ça mélange un peu énigme. Ah oui, c'était en bas. C'était en bas et j'avais... Voilà. C'est bon, c'est validé. C'est malin. Bon, ça va tranquillou, merci, le baron. Je sais pas si toi tu vas bien. Attends, je lis ton texte. Oui, ça... Non, tu poses la question comment ça va. Mais bah, j'espère que tu vas bien toi aussi, le baron. Mon baba cool, moi. Oh là là, rien à redire. Pardon. Voilà, alors là je vais sauvegarder parce que je pars dans l'inconnu. Ouais, ça va être l'heure de la popote. Je vais pas tarder à arrêter, je reprendrai en début d'après-midi. Je pense que je vais me becter. Je vous avouerai que même ma vessie me pèse, il faudra que j'aille aux toilettes. Comme j'ai bu un grand coup en cuisine hors caméra tout à l'heure, après le coup du moucheron dans mon café, là, ça m'a burk. Du coup, j'ai la vessie qui me pèse. Oh merde, y'a un rat qui m'a déjà repéré. Tiens, combat Manu contre le rat, pan. Va mourir. Enfin, si j'y arrive. Visiblement, non. C'est lui qui va m'avoir, vous allez voir. Mais j'ai même pas d'os pour me battre. Je veux lui foutre le feu, vilain rat. Va mourir par le feu, toi. Mais j'arrive même pas à le toucher. C'est abusé. Mais viens à mon niveau, vilain. Sur la croix en bas à droite de l'écran pour... Ah là! Ouais, je pourrais rajouter des points de compétence. Oula, attends, oula, il y a des trucs là. Pourquoi ça rame? Ah, d'accord. Et c'est où que je vois que j'ai un gain? Ah, c'est là que je le vois. D'accord. Oh la vache! Ah oui. Bon, je suis tellement pas doué que je vais foutre un max de points dans l'intuition, hein, parce que... Voilà. Oh, la prise de caractère, elle est belle, mais elle est tellement fine qu'elle est illisible. Oh là là. Alors, c'est beau, mais illisible. Ah, il m'a rangé mon inventaire. C'est pas désagréable.
Ah, Arsenes TV, bonjour Arsenes. Pardon, une dague. Oula, il y a de ces trucs. Non, ça c'est un crâne. Quoi? Il veut que j'en fasse quelque chose, une nifar? Ah mais je le garde dans mon... Bon bah... Un ingrédient de magie, je présume. Mais si je descends, moi... Il y a un truc dans la flotte, du coup? J'allais dire, autant suivre le cours d'eau, hein. J'aurais mal fouillé la zone. Mais... Ah, j'entends un truc sur ma droite. Ah, il y a des barreaux. Ah, là-bas, c'est les ténèbres. Hein. C'est le sud de la grotte naturelle. Non, bah, je peux revenir sur mes pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, donc. Ah merde, on est une plateforme en haut. On y retourne. Qu'est-ce que c'est que ce dédale? Encore un rat qui m'en veut. Ah, la dague, il va moins apprécier la dague. Hein. Violence contre rat. Mince, comment je fais pour... Ah, faut peut-être que je m'accroupisse. Bah, j'ai pas le droit de la viande de rat, là. Et mon rat burger, il est où? Oh! Ah! Voilà, et là je dis tout prendre. Ah, je commence à avoir des bons réflexes. Bon, cul de sac. Pardon, ouais, la température va monter. J'adore, le combat est long pour un rat, mais quand il y a quand même droit à une animation de mort épique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'un point de vue artistique, c'est soigné. Moi, ramenez-toi à ta cellule maintenant. Toi, rêver. Ah bah j'ai mon copain qui m'aide. Agba va te manger. Agba me mangera jamais. J'ai l'impression que je tape le mur de pierre. Comment ça je me bats comme une? Comme une quoi? On l'a eu. Bah oui, tu m'étonnes qu'on l'a eu. Comment ça va, Kultar? Ah, tu veux me marchander peut-être, non? Mais non, t'as rien sur toi, malheureux. Champion gobelin? Oh. Sérieux? Attendez. C'est quoi qu'il a? Morceau de bois. Ah, je vais pouvoir réparer un mécanisme. Un mécanisme de dos, cliquez sur le bout de bois que vous venez de trouver, puis clique droit à la base, levier... Quoi?
Bouton gauche sur le levier. Oula. Allons. J'aimerais passer, les gars. S'il vous plaît. Et le mec va rester sur mon passage et m'emmerder. Ah, merci. Oui, la note publique et après. Bon. Ah, comment j'ai fait? Réserve. Oh, c'est écrit en trop petit. Oh la vache. Oui, les combats sont tellement étranges. M'en parle pas. Ah, le levier cassé. Alors là, le jeu se paye de ma tête. Levier dans inventaire. Toi, te relever. Toi, faire face au truc cassé. Toi, mettre ton nez dedans. Au point à renifler la moisissure. Voilà. Merci. Dur. Ça y est, on a encore tout cassé. La réserve, je peux y accéder ou pas? Ouais, verrouillé. C'était trop beau. Oh, un poirier. C'était rêvé. Et même là, je peux pas dire que je vais faire le sort de feu dans la cheminée. Oh merde, j'ai merdé mon coup. Ah, je le savais. L'endroit est déjà plus confortable. Ah ouais, je peux changer de niveau. Mais ce qui est troublant, souvenez-vous, c'est qu'à un moment, j'ai un mur qui est dit instable. Et ce serait amusant d'essayer de le faire péter. Alors, attendez, là, il y avait un cul-de-sac. Comment je pourrais faire péter le mur instable? Ou alors, faut revenir bien plus tard avec un sort de destruction et boum. Je sais pas. Pardon. Je refais un tour d'inspection parce que c'est troublant comme. Ouais, faut repasser par la flotte en fait. Pour pas se blesser, faut repasser par la flotte.
Ah mais attends, les champignons, je les ai pas ramassés. Vas-y voir que je les cueille. Ah, le souci du détail, hein. Le souci du détail. Instable, mais comment? À la dague? Ça ne cassera pas comme ça. Non, ça cassera pas comme ça. Et là, il y a rien qui s'allume? Rien de rien. Oh. Ah, mais il y avait plus rien dans ce tonneau, on est d'accord. C'est quoi? Non. J'avais cru qu'il y avait un autre élément d'interaction, mais non. Ah! J'avais très mal interagi avec le... Ben voilà! C'est vachement mieux avec une torche à la main! Bon app! A plus, Arsenos! Non, mais je vais pas tarder à arrêter là. Dans 2 minutes, j'arrête et puis je vais manger moi aussi. Ma vessie me fait mal, puisque je suis en train de me retenir d'aller pisser. Donc c'est pas bien. Le mur instable. À mon avis, il faut revenir bien plus tard. Il faut péter un truc. Et vous savez quoi? Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. C'est une plante, ça? C'est quoi? Bon bah écoutez, je vais déclencher le niveau suivant, là, le coup de l'escalier, et puis on fera la suite au prochain épisode. Oh merde, oh, j'oublie à chaque fois qu'il faut rappeler la plateforme. Je sais plus par où c'était. On clique là, c'est ça? Ah oui, on clique là. D'accord. Allez, bon app, bon app. Ah, je vais faire pareil. Voilà. Suite au prochain épisode. Miam. J'ai aucune idée de nom de sauvegarde. Alors, le début a été si doux, mais finalement, on finit par y arriver. Ah, merci à vous d'avoir regardé.
Voilà, on a fait une petite heure, ça a été poussif, mais au final, on y parvient. Allez, chez qui je vais faire relais de chaîne? Grande question. Parce que je sais pas à quelle heure je reprends cet après-midi. Je sais pas. Je vais faire différentes bricoles, moi, de mon côté. Je vais faire un peu de ménage, me relaxer aussi, moi, me détendre. Je vais peut-être revenir vers les 15h. Qui c'est qui diffuse? Qui c'est qui diffuse pas? Oh, Aerostar qui est déjà en ligne. Ouais, bah c'est tout symbolique. Je vais faire un petit relais de chaîne à Aerostar qu'on connaît bien. Il vient de lancer, donc voilà, oui, Aerostar vient de lancer, allez. Relais de chaîne, c'est Aerostar. J'avoue que je joue la simplicité. A tout à l'heure, merci, bonne app. A plus, merci à vous d'avoir été là. Je sais pas sous quoi je reviens tout à l'heure. Hein. J'improvise. Je ferai peut-être du spell lucky pour démarrer. Possible. Je crois que c'était hier que tu disais que tu voulais à l'occasion lui faire un raid. Oui, bah voilà. Il démarre, donc c'est une belle transition. Lui, il va faire du Mass Effect, qui est un très beau jeu, Mass Effect, si vous ne connaissez pas. Dans l'espace, très littéraire, mais superbe. Un film interactif. Non, c'est mal le vendre. Mais non, très beau jeu, Mass Effect. Je l'ai fait qu'une seule fois et j'ai adoré. Faudrait que je la refasse un jour, peut-être en direct. Mais dans 10 ans, il y a tellement de choses à faire. Allez, bisous, à tout à l'heure.